Bon, discours bienvenu, mais ça a retardé. Normalement, il fallait impliquer les élus locaux dès le départ. C'est-à-dire, depuis le mois de mars, il fallait mettre les élus locaux, les ONG, pour sensibiliser les personnes autour de la pandémie mondiale. La décentralisation, les élus locaux sont les normalement premiers responsables. Parce qu'un élu local, c'est quelqu'un qui est proche du peuple, du bas peuple. Quand je dis les personnes lambda. Et bien avant aujourd'hui, il y avait des mesures, si vous avez remarqué, bien avant même l'état d'urgence ne soit décrété en Guinée, le maire de Matoto avait décidé à ce que personne n'accède dans la cour de la commune si tu n'as pas de bavette. Et dans ça, on n'a jamais manqué la sensibilisation, la communauté. Mais le fait que le président de la République a renforcé encore les élus locaux dans leur position, ça ne fait que saluer. Et là, vraiment, nous, les citoyens, on se mettra à la disposition de nos responsables à la base. Parce qu'il faut la citoyenneté aussi. Il faut respecter ta citoyenneté. Parce que c'est une maladie ou une pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. La Guinée et les Guinéens doivent s'y mettre pour vraiment éradiquer cette pandémie.